Donc, à titre de rappel, nous sommes en train de réunir sur les bases de la sécurité. Au fur et à mesure, si nous faisons grâce à Dieu, on va trouver mieux. On va avancer. Merci d'avoir été mieux. J'espère que tu restes ici. Alléluia. Ok. Thank you.
Il y a le temple
La Bible, il essaie de poser des questions. Quand il pose des questions, il y a des choses qui vont, ils vont plus parler de ça, ils vont rester. Il va arrêter à peine. On va les deux dans la vie. Vous savez, quand on dit que je suis comme moi, je dis moi souvent. Non, en détaillé. Et les oiseaux du ciel ont des vies.
Mais le Fils de l'homme n'a pas eu lieu pour qu'il puisse déposer sa tête. Il est clair, hein? Ici, on vous dit que Jésus lui répondit, vous dites les oiseaux qui sont au ciel, qui sont des nids. Donc si on dit de douter jusqu'à le soir, ils vont aller dans ce lieu là pour se réveiller. Les renards aussi ont des tanières. C'est là où on va prendre les soins, c'est la vie. C'est que quand tu vas prendre ton cancer, la grâce est que tu blesses. Si c'est une blesse, si c'est une villa, si c'est château, où les ménages ont dit ta vie, les oiseaux ont dit oui, où le poulet ont dit qu'il a eu. C'est Rome. Maintenant, il vit le Fils de l'homme. Il n'a pas un endroit où il va déposer sa tête. Quand Jésus parle comme cela, est-ce que c'est parce qu'il ne dormait pas dans les ombres ou bien il dormait à la tête des toits, il se met dehors et il dort. C'est pas parce qu'il n'avait pas de raison qu'il devait dormir. Mais ce qu'il n'est pas en train de dire, il n'était pas en train de parler d'une maison des ombres qu'on construit avec le peuple. C'est pas ce qu'il parlait. Il parlait d'autre chose. Alléluia. Amen, amen. Donc il dit que lui, vraiment, il n'a pas trouvé un lieu où il a réalisé sa tête, où on va passer pour la terre. Il n'a pas trouvé un endroit où lui, le Fils de l'homme, va se réaliser. Quand il disait ça, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de raison de dire une chose. Ça ne veut pas dire qu'il avait une raison de dire une chose. Mais il fallait autre chose. Il fallait des choses de l'esprit. Le Fils de l'homme, c'est Dieu qui est dans le ciel, qui se fait homme de l'homme sur la terre. Donc si tu dis que tu n'as pas de Dieu, oh, toi-même le même Dieu, dans les Esaïe 66, le verset 20. Verset 20, pas chapitre 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon corps et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ça veut dire que pour les hommes, c'est quelle maison vous allez construire? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeurer? C'est quel lieu vous allez me donner pour là? La terre où c'est là, ça va bâtir. Donc si vous devez prendre une prix pour faire une maison, moi je vais habiter moi. Ça, je ne suis pas là. Si je vais habiter moi-même, il y a ma machine pour vous. Alléluia. Donc, continuons avec lui. Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Et tout ont reçu l'existence, lui dit l'Éternel. D'ailleurs, tout ont reçu l'existence, lui dit l'Éternel. Voici, hein, sur qui je porterai mes regards. On s'arrête là. Donc, cette maison, vous allez le construire, où moi je vais habiter. C'est bon? Là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ici, là, il dit à cette femme, si toi tu dis que tu veux le poursuivre, que tu vas chercher plus, Simon, tu vas donner ton argent, tu te baisses, et puis tu vas le donner.
de mille fantasmes, c'est pas de créer. Donc je n'ai pas créé des choses qui les ont faites. Je n'habite pas les choses qui les ont faites. J'habite dans ce que moi je veux. Voilà bon. Donc, si j'habite dans ce que lui-même veut faire, alors lui-même doit pouvoir construire sa maison. C'est ça que j'ai Et le deuxième leçon à notre vie, on va le prendre. On va prendre le deuxième question. Luc 14, verset 10. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous dit s'il veut bâtir une tour. Vous voyez ce que madame Jésus dit. Il dit lequel de vous il prend son pays comme tour. Si quelqu'un veut bâtir une tour, si quelqu'un veut bâtir une maison, allons-y. Le s'assied d'abord pour calculer la dépense. Il va d'abord se mettre à réfléchir. Tu veux louer une maison, la caution. Donc, tu veux d'abord t'asseoir, réfléchir, rechercher d'abord la caution. Quand tu as la caution, maintenant tu peux commencer à aller chercher la maison. Mais d'abord aller chercher une maison, la caution, quand tu connais partout la maison. C'est bon? Donc, il a pris sa vie aussi, mais il fait des maisons. Et voir si la devoir la terminer. Vraiment, il va s'en sortir pour dire ah, est-ce que si j'ai encore commencé cette maison, est-ce que je peux terminer? Parce que si elle n'est pas terminée aujourd'hui, on va la maison qui t'a acheté. Quelqu'un commence juste à rester au moment où il n'a pas l'argent. Donc quand les gens viennent, ils disent bosser 10 mois. Donc c'est après 10 mois de caution, lui va continuer la maison. Or, il arrive avec 10 mois. Il commence à dire les gens 10 mois. Il continue à compter le briques. Où est la honte? Donc Jésus aussi, lui, ne veut pas avoir honte. Alors, le Père, qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'évaluer. Donc, ça veut dire que Jésus aussi, il ne veut pas avoir honte. Il ne veut pas être vraiment en ligne de lui. Donc, il calcule les dépenses. Maintenant, cette maison qu'il va construire, pour parler de la tête, quand on veut construire une maison, on commence à voir. Personne ne commence à voir. On commence à voir. Donc la maison que Dieu doit construire, la maison, c'est une fondation. C'est bon, non? On a mis les fondements de la parole de Christ. Donc la maison, là, c'est une fondation. Parce que si la fondation n'est pas bien mise, la maison va tomber. On a vu ici à Pichon, il y a des étages qui se sont écroulés. Il y a des immeubles qui se sont écroulés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de fondation. Même chez nous, on appelle Jules, il y a un immeuble qui s'est écroulé. Pourquoi? Problème de fondation. La fondation n'a pas été bien mise. C'est bon? Donc Dieu aussi, ce qui se passe dans diverses personnes, lui aussi fait la même chose. Donc il pose la colère de Dieu. On est d'accord? Il pose la colère de fondation. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on a pris l'histoire de Moïse, c'est pour discuter quoi? Moïse a construit Exode. Verset 40. Bonjour, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ça veut dire qu'il prend Moïse. Donc, il dit à Moïse, regarde et puis vous faites
D'après le modèle qui s'est montré sur la montagne, ça veut dire qu'on conseille la paix. Ça veut dire, je donne dans une maison, mais moi je vais te montrer du modèle. Il faut que vous regardez ça. Est-ce que ça veut dire? On est d'accord. Je ne parle pas d'appeler soit les mots, je vais vous dire que, ah, même dans la loi, Dieu aussi avait le projet de construire une maison où il allait venir habiter au milieu de son peuple. On est d'accord. Et ce peuple-là, on appelait ça tabernacle, ou on appelait ça sanctuaire. Mais ce qui se faisait dans la loi, là, c'est faire l'homme. Ça veut dire que, je ne sais pas comment je vais dire, c'est comme je dois faire quelque chose, on est dans un village. Il doit avoir une réunion. Mais avant qu'il y ait la réunion, il y a des gens qui vont sortir pour annoncer. Donc la loi, c'est comme ça annonçait ce qui allait venir. C'est ça la loi. Donc, ce que Moïse a construit en réalité, ça annonçait le plan que Dieu voulait mettre en place. On est d'accord? On est d'accord? Dieu, il a, c'est lui qui a le modèle. Voici la raison que je veux. Maintenant, il donne ça à les architectes. Et les architectes vont se charger de faire exactement ce que le propriétaire de la maison a demandé. Je vais aller venir depuis mon amendement du soir. On a dit, monsieur, il a donné un plan à un architecte. Fait que c'est l'architecte qui a été il a détruit la maison. Et puis il a démontré, il s'est passé comme ça. Sinon, si tu n'as pas rapproché, même si c'est la plus importante à lui. Alléluia. Donc, Dieu aussi, Dieu n'entre pas avec moi, à peu près. Si c'est raté, nous détruisons. Donc, pour ne pas qu'on puisse détruire, il s'arrange à ce que ce soit fait avec perfection. Maintenant, qui sont ces architectes? L'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc, les architectes de Dieu aujourd'hui, ce sont ceux qui nous enseignent la parole. Monsieur le Président. Maintenant, la maison que l'on construit, c'est quoi? C'est quelle maison? Cette maison que l'on construit, c'est l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Quand on dit l'église, c'est pas ça. Ça, on appelle ça lieu de prière. C'est pour ça qu'on appelle lieu de prière. C'est pas ça. C'est pas ici qu'il y a Dieu, il y a Dieu, il y a un ventilateur. C'est pas ça. Il y a un prière qui est à l'église. Maintenant, quand on dit l'église, c'est le rassemblement de tout le ciel qu'on appelle l'église. Donc il doit habiter au milieu de son peuple. Ou encore d'autres termes, toi-même, tu es une maison. Et Dieu doit venir habiter en toi. Mais là, quand il doit habiter en toi, il doit habiter en toi par le Saint-Esprit. Donc là, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se sert de ton corps pour faire de ton corps sa maison. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est bon? C'est bon. Mais, pour construire cette maison-là, ça va respecter un modèle. Ça va respecter un modèle. Oui, ça va respecter un modèle. Mais le fondement doit venir. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le fondement, la maison va s'écrouler. Jésus un jour a dit par la parole. Il dit, un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Quand les torrents vont venir, c'est-à-dire le grand vent, la tempête, quand ça va commencer à souffler, quand on va dans ce sable, la maison là va tomber. Mais pour celui qui va bâtir sa maison sur le roc, si le vent vient haut, le torrent vient haut, sa maison ne va pas tomber. Mais quand Jésus parlait de ça, il parlait de quoi même? C'est quelle maison on venait bâtir si ça? C'est quelle maison on venait bâtir si grand? Vous prenez l'exemple de ça. Si tu veux la prendre, par exemple, de ça pour Dieu, et puis essayer de lui déposer une maison avec ça. Et puis, par exemple, bonne brique, des briques 15, bien dures, pour bâtir les choses. Et puis, quand on vise à bouger du feu, c'est pour dire là-bas. Les maisons qui n'ont pas été bien construites. Les maisons où vraiment Simon avait été bien posé. C'est ça Jésus qu'on parle. Quand
du sac. Si le vent vient, ça va emporter. Si la pluie vient, ça va emporter. Je prends un exemple. Au temps de la crise, on dit qu'ils ont combattu avec des obus la résistance du président. Parce que les gens ont perdu. Tu vois, ça a résisté. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait pour construire, c'est du juge. Qu'ils avaient construit dans nos maisons. Un seul obus, c'est du juge, c'est écrasé. Mais on en sait plus sûr. Alléluia. Maintenant, c'est un fondement. C'est un fondement de la parole de Christ. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du monde. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va la cité parfaite, mais on ne peut pas poser de nouveau le fondement. Si ça fait déjà poser, c'est poser une parole de l'éternel. On va venir poser un nouveau fondement, mais on va la c'est quoi? La cité. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la loi en Dieu, de la foi en Dieu. La renoncement aux œuvres mortes, la renoncement de la doctrine de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça veut dire, regardez, vous voyez cette construction, c'est qui fait que le haut l'ancien. C'est après le souffle de l'eau. Les piliers qui ont déposé ici, c'est pour que le haut puisse venir. Sinon, si ça n'existe pas, d'accord. Donc, vous voyez ces piliers, chaque pilier, comme étant un fondement. C'est bon. Donc, on dit, il y a six piliers, pour avoir six fondements. Deuxième, doctrine de la foi. Troisième, doctrine des baptêmes. Quatrième, doctrine des impositions des mains. Cinquième, doctrine de la résurrection des morts. Sixième, doctrine du jugement éternel. Ça veut dire quoi? Comme l'église c'est la maison de Dieu, l'église de Dieu est la maison pour être bâtie si c'est six. Ouais. Donc, s'il n'y a pas les six là dans une église, cette église a tombé. C'est bon? Ça veut dire, s'il n'y a pas les six dans cette église, l'église va jouer de l'église seule. Il peut être des démons, il peut être tout ce qu'il veut, ils vont sortir. Pourquoi? Parce que les démons n'ont pas pu le juger. Pourquoi? Parce que le Dieu a dit au conseillant que tu vas manger la poussière de la terre tous les jours. Maintenant, quand le Seigneur dit ça, regarde, c'est pas une poussière, c'est pas une poussière, c'est pas une poussière. Le Dieu est en train de dire que le diable, il s'est nourri de tout ce qui est sale. Tout ce qui n'est pas parti sur le roc, tout ce qui n'est pas parti sur ce qui est dur, ce qui est solide. Donc, quand Dieu ne voit pas un élément parmi les six dans une église, Dieu voit que vous en fondement, c'est le sable. Vous c'est le sable, là le diable, parce que le diable monte la poussière. Voilà, c'est juste le sable. Donc le diable, on peut chanter et faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Alors comment vous voyez aujourd'hui, les gens sont dans les églises, dans les arbres. Pourquoi? Parce que le fondement là, c'est pas le système. Le fondement, c'est autre chose. Ça y est, Hébreux 6. Hébreux 6, verset 43. Tout est cité là-bas, les 6 sont cités là-bas. Alléluia. Donc, ce sont ces fondements-là que nous allons enseigner. Quand on dit renoncement aux œuvres mortes, on va vous expliquer c'est quoi. Quand on dit doctrine de la foi, on va vous expliquer c'est quoi. Comment ça se fait?
comment il faut appliquer dans l'église. Quand ils ont pris les baptêmes, comment le baptême doit se faire, qui doit faire le baptême, tout ça va expliquer. Mais aujourd'hui, nous sommes en introduction. C'est bon. C'est-à-dire que quand Dieu dit, s'il regarde que les six ne sont pas respectés dans une église, ils sont. On est d'accord? On est d'accord? Donc, quand aujourd'hui tu vois tout le monde, chacun se lève un bon matin, il met deux pailles, il met un piano, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. C'est bon de mettre paille. Mais est-ce que les six éléments sont respectés? Est-ce que c'est prêché dans sa totalité? Si un élément manque, une seule virgule, Dieu sort. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, vous faites la vie. Voilà pourquoi il a dit à ce que je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas connu pourquoi? Parce que le plan que j'ai donné à l'homme de Dieu qui est sujet, il n'a pas connu pourquoi? Il n'a pas enseigné ce plan, il n'a pas fait ce que je il n'a pas connu pourquoi? Il a servi lui-même. Il a cherché ses intérêts. Il n'est pas venu chercher pour ses intérêts. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je peux maintenant dire les hommes la paix que je puisse comprendre. J'envoie ton enfant. Tu lui dis, je veux manger pour son besoin. Mais va chez la femme que tu as la femme. Celle qui a trois enfants. L'enfant sort. Oui, maman, il est au bout. Il est avec les autres. Donc, il n'a pas encore avec nous. Il part acheter le poisson brisé. Mais, il faut aller chez l'enfant derrière là-bas. Celle qui a trois enfants là. Parce que quand tu vois sa nourriture, tu connais son nom. Ton enfant va. Il est sous poisson brisé, c'est poisson brisé. Et quand il n'a pas pu marcher, parce que la femme, elle a 200 kilos. Lui, il a arrivé tout de suite à 60 mètres. Il a voix. Qu'est-ce que c'est la maison? Le content qui est dans ton monde. Il n'y a pas encore de conseil aussi Dieu. Quand tu dis que tu es un homme de Dieu, il faut prêcher ce que Dieu a dit. Il faut prêcher les fondements. Si tu ne prêches pas ça, par ta voix, et puis tu t'as envoyé toi-même. C'est bon? Quand tu m'as envoyé quoi, tu appelles comment ta volonté. Donc, le juste là, le délit de toi, je ne te connais pas. Mais c'est une mauvaise état. Toi qui t'as assis dans des listes, tu as participé. Toi, tu ne savais rien. Toi, tu étais comme ça, tu dis, tout comme fait, c'est que c'est parti à Jésus. Tu meurs, tu vas rentrer avec toi. Donc, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible qui est là, ne participe pas. Donc quand tu as assis là, voilà pourquoi vous dites que quand un enfant de Dieu passe, peut-être qu'il vient à l'église et qu'il ne cherche même pas à connaître ce qu'est la Bible là-bas. Ils ont prêché haut, ils n'ont pas prêché haut. Si tu es une vie, si tu es venu, si tu es créé, ça va à la maison, tu vas réfléchir. Si tu es comme ça, tu es là, va à la maison. Si toi dans ton esprit, quand tu viens de l'église est mise au haut. Donc, pour aller Jésus ici là-bas. Avant de s'expliquer, c'est quoi Jésus? Jésus a fait c'est ça. J-E-S-U-S. C'est pas ça. Pas avec Jésus aujourd'hui, c'est pas ça. Ah. Quelqu'un dit Jésus, Jésus, Jésus. Il y a une manifestation qui s'est passée. Comment va se faire que ce n'est pas Jésus? C'est un nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Donc, on va vous prêcher ces fondements-là. C'est-à-dire que dès qu'on vient de prêcher ces fondements, quand tu veux prier dans une église, tu écoutes l'enseignement. Si ça ne respecte pas, toi, de toute façon. Tu as les deux dans la chambre. Maintenant, c'est qui prêche le Seigneur? Amen. Ce n'est pas le fondement que tu as fait prêcher. C'est ce que vous devez comprendre, vous conseiller.
Une église où le fondement de Dieu est prêché, Satan ne peut pas régner. Sorcier ne peut pas régner. Félicien ne peut pas régner. Tu as régné comment? Jésus est. Il monte dans une barque, dans un petit bateau. Ses disciples montent avec lui. Il a commencé à dormir. Oh! Quand on va en souffler, vague de la mer a commencé à s'élever. Chacun dit, ah, il a dormi. C'est-à-dire que, regardez, où est-ce que la Bible est bizarre? Le vent s'élève. Vague de la mer s'élève. Et puis toi, tu t'en vas le guérir un homme. Est-ce que l'homme peut être comme l'eau? Vous voyez comment c'est bizarre? Elle est tous à la même qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est pas un. C'est comme on est à feu dans la maison. Feu en train de prendre la maison. Et quand on est chaud, et puis tu vas m'enlever pour mon enfant. Lève-toi, je dis il y a feu. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est qu'ils ont vu quoi dans Jésus? Pour le niveau des méduits, est-ce que tu ne lèves pas à ton amour? Donc les disciples marchaient avec lui, ils savaient que lui, là, c'est pas un homme. C'est une chose là. Alléluia. Donc, Jésus est dans la barque. Ici, le bateau pour venir. La barque, c'est l'église. Jésus est dans la barque, c'est le fondement. Si le fondement est dans la barque, quel que soit ce qui va arriver, ça ne peut pas être Dieu. Alléluia. Ça ne peut pas être Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aussi Dieu, il veut que notre vie aussi soit fondée. Amen. Parce que quand la vie est fondée, démon de Jézabel vient zéro. Démon de publicité vient zéro. Démon de séduction vient zéro. Démon de démon béni c'est zéro. Parce que le fondement est là. Le vent nous est sur Dieu. C'est pas, ne sais pas le vent ordinaire. Le vent de Dieu voilà. C'est le poste de Dieu. Les démons, les esprits mauvais. C'est ça qu'il a appelé vent. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il a appelé vent. Si on ne va pas du souffle du ciel, on ne peut pas avoir vent dans son pays. Feu, feu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc chaque chrétien doit chercher à être enraciné dans la parole de Dieu. En fait, quand tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu dis qu'ils ont dit. Et c'est ça. Alléluia. Voilà pourquoi tous les jours on passe le micro. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as retenu? Tu m'as dit, tu as fait de savoir. Alléluia. Tu n'es pas un héros. Tu n'étudies pas. Tu ne dis pas. Comment tu as parlé? Mais pendant que tu frappes ton enfant, tu viens à l'église, on t'enseigne l'église. Est-ce que c'est bon? Comment tu peux grandir? Ça te coûte quoi? Pendant la semaine, je vais marquer une poche de ça. Je vais m'en faire de l'eau. Je vais m'en faire de l'eau. Souvent, quand je prie de ce que moi, on espère que le coup, ça ne va pas. Moi-même, je prends le coup. J'essaie de comprendre. Je vais faire des exercices. Et puis ça nous va comprendre. Sinon, on va passer tout. On va passer plein de temps ici. Et quand tu fais ça, tu vas te faire des jours aujourd'hui. On va passer à la porte. Et là, on va aller chez la soeur, on va ici. Et après, on va se faire. Et puis, c'est le moment. Les gens qui te sont venus, les gens qui te sont venus, c'est l'enfer. Parce que l'enfer, c'est pour ceux qui le disent d'apprendre. L'enfer, c'est pour ceux qui le disent de connaître. Il y a déjà la raison de faire. Il vient à l'église. C'est tout le monde qui nous a fait dans la Bible. Qu'est-ce que c'est? Qui a dit ça? Tu es obligé de connaître. Une fois que tu dis, tu prépares un enfant de Dieu, tu as une obligation de connaître. Il faut t'arranger à connaître. T'as regardé un enfant qui m'a demandé de dire, qu'est-ce qu'on veut changer de confier avec lui? Mais comment tu as reçu l'examen si tu n'as pas pris en considération? Tu as reçu l'examen?
Donc, tout, si tu as mis ton pied dans l'église, tu es condamné à vendre. Quelqu'un qui a mis son pied à l'église une fois, et puis qui s'est réduit. Parce que ça, on va dire, parce que en fait de ça. Comme quand on a fait une enfant, il y a des gens qui ont dit qu'ils peuvent en faire une vie, qui ont fait Dieu, je ne comprends pas en fait. Mais quand tu as mis ton pied une fois, seulement une fois, tu as entendu la parole, et puis tu vas dans le monde, les go, les chichas. Mais faut jouer à ça, belle pluie. Bah, il y a des gars à l'eau. On peut jouer belle pluie, c'est pas un péché. Tout le monde va faire tout ça. Est-ce que jouer belle pluie, c'est bon ou pas, c'est pas un péché? Vous voyez, dans les fondements aussi. C'est un chrétien qui est mis, il faut pas le jouer à ça. Il y a des gens qui jouent à ça. Il y a des gens qui ont parlé de l'humeur. Ça, c'est quoi ça? Un enfant de Dieu délivre du troupeau, ne peut pas aller s'asseoir au quartier pour être le meilleur jeu de ta vie. C'est quoi ça? Frère, je ne voudrais pas qu'on se demande, dame, quand tu as mis la paix de Dieu, tu dors sans une voix dans le monde. Tu pousses en soi, tu marches tout. Tout ton esprit est particulier dans ça. Tout le monde, vous savez. Même quand tu joues sur l'épaule, frère, ça te prend, tu ne sais pas. Tu manges un peu, tu te lèves le seul mot. Tu te lèves le seul mot. C'est-à-dire que ça prend tout ton temps. Ça prend tout ton esprit. On va vous donner les choses qu'on joue, les choses qu'on ne joue pas. Alléluia. Donc c'est là, c'est pour celui-là.
On me demande la profession. Et puis, il dit, je vois les autres. Il dit, je suis dehors. C'est pas une profession. L'homme en général se considère paresseux qui agit sur le terrain. C'est pas bien. Il a 500. Il a des projets. Il va se trouver tout chaud. Il a un moment de son besoin de se casser. Il va fumer une femme. Il va boire une. Il va aller se coucher. C'est sa vie qu'elle ne mange pas. Après le sud, il attend le résultat. Vous savez, les gens vont sortir. On l'appelle au Ghana, on lui donne. On l'appelle en France, on lui donne. Ah, il me restait un seul match. Il me restait un seul match. Aïe, j'ai le 6 points, ça va manquer. Tu vois, je suis que tel joueur. Par quel coup. Ça va encore se tenter. Oui. Et puis, il ne fait pas la foi. Il a la foi. Il joue encore. Il était suicidé. Si vous pouvez la commune à 6 fois, la sainte est difficile de l'autre. C'est que tu as dépensé de l'autre, c'est que tu as dépensé de l'autre. Il a dit que tu as dépensé. Quand on a joué à deux bains, la seule fois qu'on a gagné, c'est 5 minutes. On dépense en fait, pour payer le mot, on se fait 4 ans. Et puis,
Depuis que tu n'as jamais péché, quand tu n'as jamais péché, c'est là
sont pleines. Et tout ça pour se mettre plein dans le soutien. Alors, quand tu as dit que tu parles de la même chose. La Bible dit qu'il n'y a jamais de juste qui ne pense que Dieu qui ne pense pas le mal. Merci de ta grande chose. Mais si vous faites réfléchir, alors. Tout ça pour se complète dans sa soutien. Alléluia. 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 Amen. Et les églises ont ton plein âge en Jésus. On n'en fait un vrai pas. On n'en fait un vrai pas. Pierre, Corneille, et garder des mots au devant de lui. Corneille,
va accepter ce procès-là. Connais ce procès. Ça, c'est des questions que vous ne pas. Si vous avez parlé de ça, on a même discuté. Connais ce procès. On a qu'est-ce que Pierre a dit. Mais Pierre le releva. Pierre a dit ça, monsieur, pour lui, mon fils, ce en disant. Pierre le releva et dit j'ai un homme. Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Donc, on doit d'abord reconnaître. Gardez ce verset-là. Quand tu vois que tu connais ton père parce que le quartier qui fait ça, je lui dis, papa, tu vas venir dans le village. Je lui dis, papa, il y a Dieu le verset-là. Pourquoi appeler mon nom? Il dit, papa, papa, qu'est-ce qu'il fait parce que le monde, c'est lui qui a fait ça parce que le monde. Quand il ne réfléchit pas à rien dans sa tête, il va dire, oui, mais c'est, il faut honorer son père à la foi. On a besoin des écritures, tu viens de un père de la foi. Ici, ton père spirituel, que tu veux vraiment anti ses enfants. Ah, il y a des gens dans ça, ils se blessent comme ça. Ils aiment ça même. Ils ne dorment plus ça. Alléluia. C'est tout ce qu'on va faire. Vous enseignez, c'est le fondement. Qu'est-ce qu'on appelle les morceaux aux yeux du monde? Il y a des gens qui sont venus du Christ sur le ciel. Qui va se faire le ciel? On va s'arrêter là. Aujourd'hui, on se tient du bon à la part du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous prenez tout ça, on voit que ça ne va pas, on interroge. Quand les droits sont jaugés, ça ne passe pas. Si on va évangéliser, tu le vois. Comme laisser le coup, même chanter, même pour laisser. Bah, tu ne vas pas chanter, tu ne vas pas toucher le coup. Tu as chanté quoi? On chante l'enseignement, tu as chanté quoi? Vous pouvez dire, jouez, c'est pour la même chose. Amen. 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 On va faire ça pion et tu vas apprendre. Ça te fait mal, mais on va passer, tu vas apprendre. Alléluia. Donc, tu m'as touché celui qui connaît pas, va payer 1000 francs. Quand je dis mon argent est resté à la maison, je te va payer. Alléluia. Ok, donc on s'arrête là. On met les mains sur le recevoir. On va faire la prière de Dieu. Donc, n'oubliez pas, toute la semaine, prière une personne, chaque jour une personne. Alléluia. Va demander. Quoi tu sais devant Dieu?
Ah, mais c'est vrai. S'il y a une nouvelle personne, comment c'est pour lui dire au moins on va savoir. Telle nouvelle personne, c'est pour lui. Ah, il y a un très bon homme. Je suis tiens de vous parler de ce bon sens.
Seigneur.